de ces imbéciles. Je leur avais pourtant dit de se dépêcher. Ils m'énervent. Combien de temps leur faut-il pour voler une centaine de bandes dessinées? Merci, Jeff. Bonne journée. Quelle drôle de nuit. T'as terminé de remplir tous les dossiers qu'on nous a donnés hier soir? Non, il restait 15 minutes pour aller à la cafétéria avant qu'elle ne ferme. Ça, je sais ce que c'est. Eh, c'est drôle. Si j'ai pas ma dose de glace au chocolat après dîner, je peux pas fermer l'œil. Ah bah moi aussi, hein, je suis complètement accro aux sucreries. On a récupéré tous les derniers numéros des Beetleborgs. Je propose qu'on fasse une petite pause. Mais oui, je meurs de faim. Eh ben, t'es pas le seul. Poussez-vous, allez. Attendez, ça se va. Vous mangez plus tard. Je voudrais une douzaine de beignets en vitesse. Servez mes amis aussi. Voilà, alors ça nous fera 36 beignets. Oh, gratuits. On a oublié notre porte-monnaie. Une petite minute. Y a un problème, monsieur l'agent. C'est pas légal. Oh non, et alors? Je vais devoir garder ces beignets, ce sont des pièces à conviction. Quoi? Mais... Oh, bah ça, c'est pas juste. Allez, faites ce qu'on vous dit. C'est de l'abus de pouvoir. Hein? C'est mes préférés. Non, vous n'avez pas le droit. On ne vole pas impunément le goûter du grand typhus. Allez, rattrapons-les. On va leur donner une bonne leçon. Ils nous ont volé notre bien, on va les voler à notre tour. Ce n'est que justice, après tout. Revenez, on a des droits. On peut appeler un avocat. Revenez, sinon je me fâche. Ah, ça, vous allez me le payer, ça, voleur. Prévenez la police. Tu veux bien nous écouter 5 minutes? S'il te plaît. Non. Sois raisonnable. Tu dois changer d'avis à propos de Josh. Jamais. Mais il a tout pour être un bon Beetleborg. Il n'a que des qualités. Et lesquelles? Il est grand, il est mignon. Il connaît les Beetleborgs par cœur. Il est mignon. Ah. À qui d'autre veux-tu le demander? Van et Trip. D'accord, d'accord. Bon, tu marques un point. Et on s'en va. Je n'arrive pas à croire qu'on ait volé toutes les BD. Ouais, le nouveau Beetleborg n'arrivera pas avant 10 jours. Ouais, les Beetleborg me manquent. J'adorerais pouvoir les rencontrer. Qui sait? Tiens, salut. Salut, Josh. Drew voudrait te dire 2 mots en particulier. Vas-y, je t'écoute. Ce que je dois te dire ne regarde que nous. Je vais aller voir si Nano n'a pas besoin d'aide dans la cave. À tout à l'heure. Salut Azor. Tu crois qu'il va convaincre Josh? Ça sera pas facile. Tu crois? Non, c'est la vérité. Je crois qu'il vient de lâcher la bombe. Tu seras le Beetleborg blanc. Tu veux que je sois quoi? Aucun doute là-dessus. Écoute, tu dois nous faire confiance. On a besoin de ton aide. Vous vous moquez de moi, hein, c'est ça? Des personnages fictifs qui deviennent réels? 5 vrais fantômes qui hantent Hillhurst. Et vous pensez que je vais avaler ça? D'accord, on admet que ça a l'air étrange. Étrange? Mais on est les Beetleborgs. Prouvez-le. En fait, je commence. Alors? Waouh! Tu devrais en parler à l'entraîneur du lycée. Que dis-tu de ceci? Je sais pas quel est votre truc, mais il doit forcément y avoir une explication. C'est pas toi qui fais ça? Bien sûr que si. Ouais, chouette tour. C'est bon, je vois plus qu'un seul moyen pour convaincre ce crétin. Vous pensez à la même chose que moi? Je crois qu'on a un plan. Ouais. Mais elle m'emmenait où? Je ne peux même pas leur demander de me rendre un petit service. Bon, bon, j'ai compris. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Heureusement que tu es là, toi. Je suis sûr que tu ne me décevras pas. Bonjour, papa. Demande-moi tout ce que tu veux. Merci. Je vais te confier une mission délicate. Les Magnavores n'ont pas réussi à l'amener à bien, mais j'ai confiance en toi. Tes désirs sont des ordres.
Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, on devrait peut-être apporter les bandes dessinées avec ça. Pas question. On mange d'abord nos beignets et ensuite on se met au travail. Je vois. Shadowborg. Oui, papa. Je compte sur toi pour semer la terreur dans Charterville. Ils sont fourrés à la confiture de framboise. Mon parfum préféré. Il t'en reste avec des pépites de chocolat? Attends, je vérifie. Oh ben non, désolé. Ils ont tout mangé. Quelle poisse! On n'a pas une mission à remplir. Si, les bandes dessinées. Et il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on va sortir. C'est quoi ce boucan? Salut chérie! Très bien, je peux savoir ce que vous faites là-dedans? On leur montre! Oui, vas-y! Bien fait pour eux! Ça va, poussez pas! D'accord! Je sais pas ce que je fais là! Oh, t'inquiète pas! Tu es sur le point de voir des choses qui sortent de l'ordinaire! S'il te plaît, Josh, accepte de devenir un Beetleborg. C'est de la magie, n'est-ce pas? Vous m'avez fait faire tout ce chemin pour rencontrer ce type. Qu'est-ce que tu lui approches à mon nez? Rien du tout, seulement ils étaient supposés me prouver qu'ils étaient les Beetleborg. Pas tout à fait. On était supposés te prouver que Hillhurst était hanté. Et ensuite qu'on était les Beetleborgs. Oh, pitié petit, avec toutes les toiles d'araignée, qui d'autre pourra habiter dans cette baraque? Tiens, ça sent brûlé. Oh, j'ai chaud. Écoutez, c'est très marrant, d'accord. Mais c'est très facile d'effrayer les gens avec des projecteurs et quelques miroirs. Dis donc, t'es dur à convaincre, toi. Mais ça me plaît. Flaverissimo, on va s'amuser. Salut, je m'en vais. Hein? Non, mais qu'est-ce qui ose me déranger pendant ma toilette? Hein? L'hygiène, c'est primordial quand on veut garder ses dents pendant 300 ans. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Où vous l'avez trouvé, ce clown? Dans un cimetière, pardi. Tu veux rester à dîner? Écoutez, ça devient un tout petit peu trop bizarre à mon goût. J'aimerais te présenter le grand Wolfgang et Frankenmachin. Tu ne nous crois toujours pas? Une paire de clowns déguisés. C'est pas ça qui va me faire peur. À ta place, j'essaierai d'être plus subtil. Débrouiller, ça lui fait beaucoup de bien, je t'assure. Vous laissez-moi tranquille. On va le découper en morceaux. À tout à l'heure. C'est pas la sortie. Ah, mais y a pas de sortie. Flapper, on devrait réagir. Flap, absolument. Fantastique. Bonjour. J'ai pas le temps de discuter, je suis occupé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Art Fortunès.
Tu serais pas Super Blaster Beetleborg par hasard? Ah ça non, je ne crois pas. Ah, si tu n'es pas le Super Blaster Beetleborg, j'ai vraiment pas le temps de parler. Hey, vous, vous êtes vraiment Art Fortunet? Bien sûr, qui veux-tu que je sois? Alors ces enfants peuvent se transformer en Beetleborgs? Évidemment. Peut-être que tu devrais les imiter. Mais... Oui, tu peux m'aider à donner la vie à ma dernière création. Est-ce que ça te dirait? J'en sais rien. Mes Beetleborgs ont de sérieux problèmes. Et si tu ne les aides pas, cette fabuleuse histoire risque d'avoir la pire des fins. Oh! En fait, je ne suis pas sûr de vouloir être un super-héros pour de vrai. Eh? Après tout, je suis nouveau dans le quartier, alors... Monsieur Fortunès, on a un problème. Le Shadowborg? Je m'en doutais. Je sais que vous êtes là. Sortez, battez-vous comme des hommes. Je refuse de me battre comme un homme. Je vais me battre comme une fille. Comme c'est mignon. Ça va l'impressionner. Qu'est-ce qu'il a sur le torse? Les symboles des super-pouvoirs qu'il a volés aux trois Beetleborgs. Ils n'y arriveront pas sans toi. Ne me dites pas que vous avez peur de moi. Sortez, sinon... Sinon quoi, grosse boîte de conserve? Sinon, je vais finir par me mettre en colère. Alors, qu'est-ce que tu décides? Grave. Josh, on a besoin de toi. Réfléchis. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais! Je savais que c'était mon super Blaster Beetleborg! Cette fumée bon marché me fait le coup à chaque fois. Vite, Flabber, on a notre volontaire. D'accord. J'y vais. J'ai besoin de place pour travailler. Viens par là. Allez, avance. Donnez-lui du courage, gavez-le de puissance, transformez-le en Beetleborg. On y va, flash! Oh! Génial! Ouais! Oh, tu es super! Exactement comme le dessin. Il est encore mieux que sur le papier. Bon, à toi de jouer, Josh. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas tomber. Shadowborg, tu viens de signer ton arrêt de mort. Ne me fais pas rire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Bien sûr que si, un débutant. C'est ce qu'on va voir. Pas mal, hein? Et encore, t'as pas tout vu. Ma nouvelle création est vraiment géniale. Le moment est venu de te donner une petite leçon. J'en sais assez, merci. Je suis là. Ouais. Tu n'es pas un super-héros. Tu es un artiste de cirque. Allez, vas-y, Shadowborg. Encore. Il est à ta merci. Allez, vas-y, allez. Hé, hey, chef, on a réussi. Regardez, chef. Oh, on a les bandes dessinées. Hein? Ah oui, oui. Oui, merci, c'est gentil. Gentil? Vous avez vu ça? Évidemment, c'est mon champion. Mais à propos, chef, on se demandait justement, est-ce qu'on est renvoyé, nous? Tu tiens vraiment à ce que je te renvoie chez toi? Non, c'était juste une question comme ça, chef, c'est tout, hein. Je suis content d'être à l'abri. Ouais, moi aussi.
Tu as encore beaucoup à apprendre. Je ne suis pas aussi nul que tu sembles le croire. Ouais. Maintenant, tu m'as mis en colère. Attends une minute, on peut discuter, non? Oh, quelle tête de mule! Je n'ai pas de temps à perdre! Tu peux y arriver! J'ai confiance en toi! La fête est finie! Tu as perdu! Espèce de misérable crétin tricheur! C'est moi que tu traites de tricheur! Merci pour le compliment! Je dois m'en aller, mon maître m'attend! Mais on se reverra! Parole de Shadow Borg! C'est bon, Josh! On arrive! Qu'il soit pas blessé. Pourquoi on le ramènerait pas chez lui? Mais enfin, Monsieur Fortunel, si Josh n'est pas capable de venir à bout de ce robot, mais qui le sera? Une petite seconde, Roland. On va pas laisser un grand crétin en ferraille nous humilier. Alors oubliez ce fiasco. Vous avez toujours vos pouvoirs. Ta force, ta vitesse et ta télékinésie. Bah oui, ça va nous aider. Il nous reste Super Blaster Beetleborg. Pour ce qui nous sert. Et vous m'avez, moi! Arrêtez de ne penser qu'à vos petites personnes. Vous verrez que vous... vous formez un ensemble capable d'affronter ce grand... Nigo! Ouais, Flabber a raison. Oh. Ah, Josh, ça va? T'as fait tout ce que tu as pu, tu sais. Désolé. Ah. Oh, c'est pas grave. Oh. Wow. T'as récupéré les pierres précieuses! Fantastique! Je savais que Josh réussirait! Je suis fier de toi! Ouais! Beau travail, mec! Ouais! Nous sommes les Beetleborg! Tu t'es surpassé! Je suis vraiment fier de toi, mon grand! Merci, papa! Maintenant, je vais former une armée et ensuite nous passerons à l'attaque! Excellent! Dans quelques heures, Charterville sera à moi. Et demain, nous envahirons les villes voisines. Bientôt, je régnerai sur la planète tout entière. Un rapport sur lui ou sur elle? Oh. J'accepte les...